CMATV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par vos Uniprix Montmagny, boulevard Taché et également sur l'avenue de la Fabrique, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, aujourd'hui on va parler de médicaments d'urgence. Oui. Médicaments d'urgence. C'est large, hein? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, médicaments d'urgence? Bien, en fait, c'est qu'il y a certains médicaments, dans le fond, qu'on utilise. Tout le monde connaît l'épipène pour les allergies. Donc, ouais. Pour les allergies sévères, on peut parler pour les gens qui utilisent soit des drogues intraveineuses ou qui prennent, consomment des médicaments opioïdes, des narcotiques pour la douleur, ou qui côtoient des gens qui utilisent des drogues, des opioïdes. Il y a le Narcan, de la naloxone intranasale qui peut être utilisé, qui peut sauver des décès dû par surdose de ces médicaments-là. Et il y a, par exemple, les gens qui ont de l'insuline, qui sont diabétiques, qui peuvent faire des hypoglycémies, bien, on peut utiliser soit du instaglucose si l'hypoglycémie n'est pas trop sévère, mais si on a une perte de conscience ou une hypoglycémie sévère, il y a le Baqsimi qui est du glucagon, qui est l'antidote de l'insuline, qu'on peut donner intranasal aussi sous le même type que la naloxone. Puis c'est des choses qui sont un peu méconnues, qui peuvent s'adresser aux gens qui utilisent, mais aussi aux gens qui les accompagnent, aux familles ou même. Souvent, des fois, les diabétiques vont avoir des bracelets. On arrive sur un lieu, on a une personne qui est inconsciente, elle a un bracelet diabétique. On se rend compte que dans son sac à main, elle a un Baqsimi, puis on peut, quelqu'un peut lui vaporiser dans le nez, même si elle est inconsciente, puis on peut la réveiller, puis le donner le temps de sauver une vie, là. Donc, c'est des choses que je trouvais intéressantes de discuter. Parler un peu de l'utilisation pour justement les gens qui pourraient être appelés dans une situation X à aider une personne à utiliser un médicament d'urgence ou pour eux-mêmes aussi, ou être à l'affût. J'ai même des gens qui ont de l'insuline qui ne savent même pas que ça existe, là, du glucagon intranasal pour les hypoglycémies. Donc, il faut informer les gens. Ça se raccroche à beaucoup, beaucoup de gens puis beaucoup de situations différentes. Fait qu'on pourrait commencer par le plus connu, l'épipène, qui est de l'épinéphrine, en fait, de l'adrénaline, qu'on donne tout simplement pour quand on a une réaction anaphylactique. Une réaction anaphylactique, c'est une réaction allergique la plus sévère, dans le fond, où il y a une atteinte aussi des voies respiratoires, donc une bronchoconstriction. Donc, les gens, ils étouffent littéralement, là, dans le fond, mais aussi, c'est accompagné d'un urticaire, rougeur, souvent faiblesse, chute de pression parce qu'il y a une vasodilatation. Fait que c'est une réaction allergique très sévère, enflure. Fait que souvent, quand même assez simple à reconnaître. C'est pas subtil, un choc anaphylactique, là. Puis, quand les gens ont des symptômes respiratoires, pour sauver leur vie, bien, il faut avoir l'épinéphrine, dans le fond. Donc, l'épipène, qui est un... Il y a allergique aussi, il y a un concurrent, il y a quelques compagnies qui en font, là, de l'épinéphrine intramusculaire. J'ai une question là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a une date de fin pour une épipène? Oui, il y a une date d'expiration, comme n'importe quel produit. Oui. Le mot, là, donc, qui est bien indiqué sur le... Sur le stylo, donc, dans le fond. Donc, non, effectivement. Même si tu t'en sers pas, il y a une date d'expiration. Exactement. Il faut la renouveler parce qu'on veut que quand on a à l'utiliser, que ça fonctionne. Donc, évidemment, après la date d'expiration, il y a une perte d'efficacité graduelle dans le temps. Bon, on peut surveiller aussi la couleur. Hein. Même si on n'est pas dépassé, des fois, on l'entrepose un peu trop à la chaleur. Ou si on suspecte qu'elle a gelé, il faut la changer aussi. Fait que s'il y a une chambre, si la solution n'est plus claire et qu'elle devient colorée, ou qu'il y a des morceaux qui se promènent dedans, là, c'est pas normal. On la change, là, oui. C'est pas éternel, l'épipène. Puis ça, on peut le changer à partir du moment où la date d'expiration est expirée. Oui, tout à fait. Exactement. Puis on n'a pas besoin d'ordonnance médicale. Hein. Un pharmacien peut prescrire un épipène sans passer par le médecin. Évidemment, on va questionner le pourquoi de l'utilisation. Mais ça peut être une personne qui n'est pas nécessairement allergique, mais qui côtoie, je ne sais pas moi, une personne qui est moniteur d'un terrain de jeu, a des jeunes qui sont connus allergiques. Normalement, la personne allergique va en avoir une épipène, mais on sait dans certaines situations, l'enfant peut oublier tout ça, puis que le moniteur, lui, il veut avoir une épipène pour pouvoir l'utiliser. Moi, je suis très à l'aise de lui prescrire une épipène parce qu'il côtoie des gens allergiques, puis il pourrait en avoir besoin pour sauver une vie avec. Alors, pourquoi pas? Donc, le pharmacien peut prescrire un épipène à une personne allergique, mais aussi à quelqu'un qui côtoie des personnes allergiques. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas n'importe quel épipène qui peut servir pour n'importe quel... Non, ça, c'est juste selon le poids. Il y a les juniors, pour les enfants.
Si tu as une allergie aux crustacés... C'est la même épine pour n'importe quelle allergie. Oh oui, une allergie, un choc anaphylactique, c'est la même épine. La seule variation, c'est que selon le poids, mettons, les enfants vont avoir une dose un peu réduite. Donc on peut sauver des vies en prenant notre épine qui pourrait servir pour quelque chose. Oui, tout à fait. C'est, dans le fond, l'adrénaline... Dans le fond, c'est pour n'importe quel. Dans le fond, c'est pas le pourquoi la personne est tombée en réaction, c'est la réaction qu'on traite. Puis ce qui est important à savoir, c'est que ça nous donne un 20 minutes environ là, de grâce pour se rendre à l'urgence. Hein. Fait que quelqu'un qui s'en va dans le bois, bien loin, qui est à plus d'une heure là, d'un centre hospitalier, d'amener deux au moins, c'est pas trop. Parce que si on fait une réaction allergique puis qu'on est loin, avec une épipène, ça nous donne. Je dis 20, entre 20 et 30 minutes, mais j'aime mieux dire le 20 minutes. C'est une information très importante. Oui, donc fait quelqu'un qui va à la chasse, par exemple, l'automne dans le bois, pas qui est allergique aux piqûres de guêpes, hein, puis on a dans le début de la période de la chasse, peut-être en amener deux ou trois, pourquoi pas, là, parce que si on est vraiment loin d'un centre hospitalier, faut être plus prudent que moins. Puis c'est vraiment pas pour une réaction juste cutanée. T'sais, les gens qui viennent tout rouges, sont en mais ils n'ont aucun symptôme respiratoire, on va pas foutre une injection d'épipène, parce que quand même un stimulant cardiaque, là, ça fait pomper la patate, c'est de l'adrénaline. Là. Donc, c'est vraiment seulement pour les symptômes respiratoires, ça va pas traiter les symptômes cutanés ou autres. Donc, quelqu'un qui enfle beaucoup, par exemple, après des piqûres d'insectes, qui vient avec un bon édème, tout ça, ça peut être impressionnant, ça vient rouge, chaud, ça enfle beaucoup. S'il n'y a pas de symptômes respiratoires, on ne donne pas une épipène pour ça. Là. Ça évoluera pas vers ça. Il y a des différents types de réactions allergiques. C'est vraiment quand on commence à sentir là, que la langue, la gorge, ça picote puis ça serre, là, c'est là qu'on injecte un épipène. Pour l'utilisation, souvent, c'est des stylos. Hein, fait que ce soit allergique ou l'épipène, ils ont des fonctionnements un peu différents, mais dans le fond, on donne toujours le mode d'emploi, on l'explique qu'on l'utilise. Mais souvent, c'est une injection intramusculaire. On voit pas l'aiguille. Là, souvent, on pèse dessus puis ça sort tout seul dans la cuisse. Puis tu sais, souvent, on n'enlève pas les vêtements, tout ça, à moins que ce soit une bonne vieille soude de skidoo, là, on peut baisser le. T'sais, parce que là, c'est très épais, mais ça passe à travers le tissu standard. Là, fait qu'on prend pas le temps de déshabiller. On envoie ça. Okay. On peut sauver des vies avec ça. Okay. Deuxième médicament qui est très important, j'avais parlé de la naloxone intranasale pour les gens qui utilisent des drogues, qui connaissent des gens qui utilisent des drogues ou des gens qui ont des antidouleurs opioïdes de façon chronique, dans le fond pour des douleurs chroniques, cancer et autres. C'est toujours une bonne idée d'en avoir parce que ne serait-ce qu'on se trompe de dose. J'ai un patient, qui prend des doses assez élevées de morphine ou de dérivés, puis qui double sa dose, pas par volonté, mais par inadvertance, ça peut sauver sa vie d'avoir un arc intranasal là, dans le fond, puis qu'on envoie aussi une vaporisation dans une narine, puis ça peut sauver la vie. On s'en va à l'hôpital après, même principe, parce que ça a une durée d'action qui est limitée. Là, ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un médicament d'urgence... On s'en va à l'urgence. Ça nous donne un laps de temps à sauver notre vie, mais la durée d'action a une fin qui est parfois plus courte que l'action du médicament pour lequel on a utilisé. Donc, c'est important d'aller consulter. On va se faire monitorer à l'hôpital. On rencontre quelqu'un d'inconscient, on a un doute qu'il y a une drogue intraveineuse qu'il y a une surdose d'opioïdes. On prend pas de chance, on l'envoie dans la narine là, si on a un arcan là, sous la main, parce que le pire qui va arriver, c'est que si c'est pas la cause de son inconscience, ça ne fera juste pas marcher, mais ça va pas le rempirer. C'est important. Même chose, je vous avais parlé des diabétiques avec le Baqsimi. On a un diabétique qui est inconscient, on sait qu'il prend de l'insuline. On peut pas lui nuire en lui mettant ça dans le nez. Fait que, on n'hésite pas. Là, on a accès au Baqsimi, au glucagon intranasal. On a un diabétique inconscient. Peut-être c'est un AVC, peut-être c'est une crise cardiaque qu'il a fait, puis c'est pas pour ça qu'on ne prend pas de chance. T'sais, si c'est à cause d'une hypoglycémie qu'on y envoie ça dans la narine puis qu'on lui sauve la vie, on ne se pose pas la question, on ne le rempirera pas. Là. Fait que, des fois, les gens ils ont peur de donner une médication, mais ça, ces médicaments-là, là, le pire qui arrive, c'est que ça ne marche pas parce que c'est pas pour la bonne chose, mais on ne peut pas rempirer. Fait que dans le doute, le pire qu'on peut faire, c'est sauver une vie, là, aider. Hein, c'est aider. Là. Fait que, on n'hésite pas, sachez que ça existe. Puis, c'est encore deux produits que le pharmacien peut prescrire sans ordonnance médicale. Donc, votre frère est un consommateur de drogue opioïde intraveineuse ou autre, puis que ça vous inquiète, puis que vous savez qu'il n'y a pas un comportement, que lui, il n'ira pas s'en chercher, bien, vous, comme ça, vous pouvez venir vous en faire prescrire un.
dans votre dossier, puis vous pourrez sauver votre frère. C'est sûr qu'on n'en donne pas à la porte à tout le monde pour, je veux dire, pas parce que vous promenez dans le chemin puis vous avez peur de tomber sur quelqu'un. Là, à un moment donné, il y a une limite, il faut quand même avoir un contact ou une raison significative de penser qu'on peut être mis en contact avec quelqu'un en surdose d'opioïdes, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à les demander. Okay. C'est important de venir vous consulter. Oui, okay. Dans toutes ces situations-là. Ce que je comprends de plus en plus, Ouki, parce que ça fait deux chroniques qu'on fait et tu nous parles de plus en plus que le pharmacien peut prescrire. À un moment donné, il faudrait peut-être en parler aussi. Oui, bien, c'est en cours de changement encore. Ça peut aller beaucoup plus vite directement au pharmacien que l'urgence. La pharmacie est en gros changement, puis il y a un nouveau projet de loi, le 67, qui va encore modifier nos champs d'expertise puis nos actes réservés. Donc, quand on aura le cadre réglementaire de ça, ça sera bien de faire un petit wrap-up de ça, parce que même nous, on va falloir s'ajuster à tout ça encore une fois. Merci beaucoup, Merci. Daniel Lachance, pharmacien, qui présente cette chronique. Donc, Uniprix ici, au boulevard Taché et avenue de la Fabrique, 288-5595. Merci, Daniel. Ça complète.